Ok, ok. C'est aujourd'hui le grand jour. Du café. Ouais, obligatoire. Le grand jour, le jour numéro 14. Eh bien, c'est à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h. J'espère que vous allez tous très bien, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Under the Waves. Il m'a fallu 3 vidéos pour enfin comprendre, même si vous l'avez compris, ce jeu est engagé pour l'écologie, pour l'environnement, mais bien plus que ça, puisqu'en fait, Surfrider Foundation, en plus c'est pas faute d'avoir cette mention à chaque fois partout, Surfrider Foundation qui est une réelle association qui existe donc évidemment dans la vraie vie et qui a pour but de préserver les fonds marins, et donc le jeu est en association avec cette association justement, donc c'est absolument incroyable. En tout cas, voilà. Les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire du café, c'est le grand jour, jour de tempête. Que va-t-il se passer? C'est une très très bonne question. Les plantes ont poussé, incroyable, c'est formidable. En tout cas, les amis, je vous rappelle qu'on avait eu Emma par communication juste ici. D'ailleurs, je vais faire un petit tour sur l'ordinateur le matin, voir si on peut faire quelque chose. Non, rien à faire, très bien, c'est formidable. On va se lever, on va se faire un café. Comme dit, c'est le grand jour. Il va se passer des dingueries, à mon avis. J'ai plutôt hâte de voir ça. Le miroir, on sait, qu'est-ce que c'est que ça? Du paracétamol Unitrench. Ok. Superbe. Donc on a notre ami bien sûr le phoque qui est toujours là. On va se faire notre petit café. Oh mince, la vaisselle. Est-ce qu'il faut le nettoyer? Non, ça va. Attends, dirais-moi, c'est le mec qui l'a fait. Envie d'un peu de nouveauté ce soir. Un chili con carne? Ouais, bah pense pas à ce soir, c'est que le matin. Hein. Allez, le petit café qui fait plaisir puisqu'il est 16h. 16h, c'est l'heure du chocolat chaud, du petit thé, du petit café, tout ce que vous voulez. On va se mettre. Ça fait du bien. Sur la chaise parfois. Et on regarde la télé. Et on peut voir qu'il y a juste un point météo. C'est exact, Tina. Le gouvernement a publié un avis de vigilance maximum pour toute la côte est, en raison de ce qui ne peut être décrit que comme la tempête du siècle. Pas idéal. La tempête du siècle, ouais, bon d'accord. On a compris qu'on va avoir quelques soucis. Mais est-ce que c'est à cause de l'homme finalement, la tempête? Je ne sais pas, hein. Il faut se poser les bonnes questions des fois. Qui aurait cru que je rencontrerais l'amour de ma vie ici? Ah, désolé Emma. Il m'a fait peur là, je me suis dit qu'est-ce qu'il raconte le fou. Lire l'émission de routine, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon allez, on va pas perdre de temps. Quel magnifique jeu les amis, quel magnifique jeu. Vicieux le courant ici. Ouais, pas de doute. Il faut durcir la structure. Eh oui. Voyons le menu du jour. Ok, 3 nouvelles missions disponibles. Donc, trouver des... Attends, mission principale, ça c'est fait. Trouver des géodes. Ramasser des géodes dans les grottes locales, elles sont utiles pour fabriquer de l'équipement avancé. Eh mais j'en ai déjà trouvé moi des géodes en plus, quelle connerie. Relever les données géologiques. Vérifier renfort structurel. On va commencer par ça, peut-être. Non? Non, on va commencer par les géodes. Mais c'est débile parce que, souvenez-vous, dans la précédente vidéo, j'avais déjà trouvé des géodes. Non, il faut que j'attende le feu vert. Ah bon? Faut attendre le feu vert. Ok, bah on va attendre le feu vert alors. Tout ça, on avait déjà regardé. Alors, voyons voir ça. J'ai déjà ce qu'il faut, on avait tout fabriqué en amont. Donc c'est bon. Ouais, très bien, mais qu'est-ce que je fasse? Ah, il faut peut-être que j'appelle. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça, c'est le journal de bord. Réveil. Ah, je suis peut-être allé trop vite. Appeler team, voilà. Je me disais bien. Eh ben, on aurait eu l'air chouette là. C'est parti, on appelle team. Team? Team, réponds. Salut. Je vais t'appeler. Il faut que tu... C'est déjà fait. J'ai relevé les missions. Je suis prêt à partir. Bravo. Je suis désolé, Stan, mais je vais devoir te laisser. J'ai une réunion importante, une histoire de chaîne de production. Bien reçu. Bonne chance. Terminé. Ouais, à plus tard. Non, j'ai dit j'arrive. Bon, il va nous laisser tout seul dans notre merde. C'est incroyable. Bon, du coup, l'émission, comme on l'avait convenu...
trouver des géodes zébardis, zanzasions, zanzasionnels. Bon, 5 géodes à trouver, mais j'en avais trouvé 3, il me semble, dans la dernière vidéo, hein. Là, on se fout de moi, hein. Je vais refaire un truc que j'ai déjà fait. Sans deck. Bon, pas de bêtises aujourd'hui. Pourquoi t'as fait des bêtises? Allez, au boulot. Ouais, je veux bien. Allez, on pénètre. On va scanner les alentours. Cette touche, elle est magique, hein. Ça permet de savoir quoi faire. Faut que j'arrête de casser mon truc. Trouver des géodes. Mais où c'est que tu veux que je trouve des géodes, moi? Bon. Je vois un truc sur la carte qui brille en bas à gauche, là où je vais. Ici, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et que dalle. C'est bien, c'est qu'il n'y a aucune info de où trouver des géodes. Heureusement que je sais à quoi ça ressemble. Alors, on va ouvrir la carte. La carte va nous être très utile. Traces de pétrole, déchets, conteneurs. C'était ici que j'avais trouvé des géodes. Hein. Caisse, avant-poste, déchets. Où c'est qu'on peut trouver des géodes là? C'est quoi ça? Autocollant. D'accord. Superbe. Bon, on est un petit peu lâché dans la nature là. Hein. On est un petit peu lâché dans la nature. Mais attendez, on peut pas voir ce que j'ai récupéré là? Parce que... Géode. Ouais, j'en ai 3, frère, t'as vu? Je suis pas fou. J'en ai 3, mon ref. Roche semi-creuse dont l'intérieur est tapissé de cristaux, présente dans les grottes. Ok, faut qu'on aille dans les grottes. J'ai bien compris. Bon, on va en profiter, on va se balader, on va explorer les fonds marins. Voilà, c'est le but du jeu. D'ailleurs, bah regardez, ne serait-ce pas une grotte ici? Non, pas forcément, mais on va y aller quand même. On va essayer de voir les structures un petit peu. Parce que c'est sur les parois, sur les roches ici, comme ça en général. Donc faut voir si on trouve une grotte à tout hasard ici. De toute façon, c'est le but, hein, les gars. Hein. Ça reste un open world. On a été beaucoup guidé au début de l'aventure parce que c'était la phase tutorielle. Mais là, maintenant, la phase tutorielle est terminée. Hein. Donc on est livré un petit peu à nous-mêmes. Et tout simplement, c'est du plaisir parce qu'on va pouvoir explorer comme bon nous semble les fonds marins. Alors. On a des requins ici, on a encore un avion qui est crashé là, on vient de découvrir un avion. Et on a une caisse qu'on va récupérer. C'est pas le moment de flancher. C'est pas le moment de flancher. T'aimes bien cette phrase, hein. J'en ai oublié son prénom. Alors, ça se passe ici. Qu'avons-nous là? Dans cette boîte. Nouvelle recette débloquée, c'est de la décoration réservée à un usage interne pour personnaliser les modules, ok. Non mais par contre ça c'est chouette qu'on puisse faire de la customisation. Et donc les requins ne nous attaquent vraiment pas. Je préfère avoir confirmation. Manifestement, ça m'a l'air pas mal. Bon, il y a des déchets qui traînent visiblement là. Rien à péter. Voilà. Voilà, je vais casser mon truc, c'est formidable. Allez, on continue du coup l'exploration. Il faut qu'on trouve des géodes. Ou alors sinon c'est quoi l'autre mission? Relever les données géologiques des sondes situées dans les grottes à proximité. Et ben voilà, ça va nous permettre de rentrer dans les grottes. Let's go. Je suis un génie en fait. Zone de sonde. Zone des sondes. On va aller au plus proche, hein. Pour des raisons assez évidentes. Pourquoi j'arrive pas à monter? Aïe. Putain mais je sais plus piloter le machin. C'est pas facile, hein. Vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit. Là au moins on sait qu'on va atterrir dans une grotte. Donc dans cette grotte on va également trouver les géodes. Je suis un génie. Et ben voilà, caverne de taurin. Magnifique. C'était juste à côté. Du coup, oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça c'est un requin, par contre à mon avis il nous attaque, hein. Parce que ça c'est un vrai requin, hein. Ça c'est un vrai requin, c'est pas des lol, hein. Y a un coffre à récupérer ici. Et ben dans la grotte j'imagine. En dessous. Exactement. Allons-y. Let's go. Putain, c'est génial. Oh, parfait. Parfait, mon pote. On va se régaler, les gars. Et là, je pense qu'il y a des géodes. C'est bon, je vois les géodes. Sans manuel. Parfait. Bon.
Bah trouver les sondes, c'en est une ça du coup en plus. Formidable. Bon, on va déjà récupérer ça parce que ça... Bon, on va récupérer les déchets tant qu'on y est, plastique. Moi ce que je veux c'est ça. Pour un océan plus propre. Voilà. Qu'avons-nous là? Un truc de customisation. Comment est-ce que c'est arrivé là? Nouvelle recette. Bon bah, c'est à moi. Source de lumière puissante pour éclairer les grottes. Oh. Ou effrayer des créatures. Ah, effrayer des créatures les amis. Vous savez ce que ça veut dire? Depuis le début on croit qu'il n'y aura pas de méchants. Mes couilles. On va se faire attaquer. Une bouteille de moins dans la mer. C'est incroyable. Bon du coup là on peut récupérer plein de choses. Ça fait trop plaisir. Des fusées, parfait. Ok. Ça c'est une sonde? Non c'est pas une sonde, c'est une balise. Et là on a des géodes. Alors attends, à tous les coups il va pas me compter le truc. Donc je vais suivre l'objectif. Comme ça il sera content. 1, 2. Faudra peut-être pas être autant radin. Ah là. 3, 4. Cette géode va me servir. Une petite cinquième. Il s'agirait de pas non plus exagérer des bonnes choses. Est-ce que j'y vais avec le sous-marin ou j'y vais à la nage? Ouais, je vais y aller avec le sous-marin. Voilà, je vais. On va quand même continuer avec le sous-marin. Y a pas une dernière géode, genre. Putain, ils ont vraiment bien fait, hein. Bande de salauds là. Ouais, on se les pèle dehors. C'est des salauds en vrai. L'avantage, c'est que j'ai oxygène illimité dans le sous-marin. Trou. Ça m'a tout l'air d'une. Des contrebandiers. Ah ouais? À ce point-là? Attends. Parce que là, j'ai une autre géode là. J'ai la dernière. Au moins, ça me fera une mission de valider. La dernière géode est là, bon il y en a d'autres en dessous. Mais du coup il va y avoir des créatures et tout là. Un genre de géode. Voilà, mission terminée. Ensuite on enchaîne, relever les données, donc trouver les sondes. Merde. Allons-y. Qu'est-ce qu'on me fait là? Suivant, ah oui je me suis trompé de bouton. J'ai pas l'habitude des manettes hein. Zone des sondes, on y arrive en plus là, ça y est. On y arrive. On fait plusieurs objectifs en même temps parce que c'est absolument génial. Bah là voilà, regardez ici, nous avons une balise, une sonde. Ah oui bah ça c'est un requin qui va nous attaquer hein. C'est sûr. Mec c'est sûr, je sors, il me démonte. C'est pour ça qu'on a besoin de... Je me chie dessus, voilà, je dois y aller là. Bon allez j'y vais. De toute façon j'ai rien pour le faire fuir. Donc j'ai pas le choix, il faut que j'aille. Alors hop. Première sonde. Données envoyées. Tim, tu me reçois? On va récupérer ça. Toujours en réunion. Géode, t'as vu, j'ai 12 géodes frère, c'est incroyable. J'ai pas l'air de me faire attaquer pour le moment. Oh le grand requin juste à côté. J'avoue je suis pas serein. Hop, on rentre et on va s'occuper de la deuxième sonde. Wesh. Non lui c'est sûr il t'attaque hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je suis sûr il t'attaque lui hein. Bref moi je sors direct. Je veux pas plus explorer, j'ai peur. Voilà on a de quoi explorer à mon avis. Mais je vais préférer partir. Parce que c'est pas très très rassurant. Clairement voilà. Aïe. Oh putain si je tombe en panne en plus dans ce trou là je suis dans le caca. Déjà qu'il y a aucune communication dans la grotte. Qu'en plus Tim de toute façon il me laisse dans sa galère parce qu'il a un rendez-vous. Mes couilles. Attends, il y a un coffre à récupérer juste en face. On récupère quand même les coffres. Autant les déchets, hein, vous m'excuserez. Le jeu est engagé là-dedans, mais... Oh attends, mais c'est que ça descend encore là. Vas-y, j'y vais. M'en fous, j'y vais. Ça m'excite. Je sais pas dans quoi on s'embarque. Oh là. La pression de jouer des tours. Oh là. Ah, je peux pas aller plus bas. Ah ouais. Mais c'est incroyable. On va ressortir, je me chie dessus. On va oublier le coffre. Ah, oh, des conteneurs. On va oublier le coffre. Et on va sortir. Grande fosse. Très bien. Waouh, c'est magnifique, c'est éblouissant. C'est de toute beauté. Voilà, on est de nouveau retour à la surface. Si je puis dire. Pardonnez-moi l'expression. Ah non, c'est une plante. C'est juste une plante. Ok. Putain, mais requin pèlerin. C'est gentil les requins pèlerins. Faudrait se renseigner sur internet. Est-ce que les requins pèlerins sont gentils? C'est une bonne question. Oh, on a quelque chose ici.
On a quelque chose ici. Bon, c'est surtout des déchets. Attendez, il faut que je m'entraîne juste à monter et descendre. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Mais il n'y a rien à récupérer, en fait. On va y aller. Comme d'habitude, toujours aussi long les animations, malheureusement. Ah si, c'est bon, il y a des trucs à récupérer. Pas que je sois sorti pour air. T'as rien à faire là. Exactement. Ça dégage le plastique. On est vraiment des nettoyeurs. Très discret, bravo. Hein? Ah ouais, d'accord. C'est quoi ça du coup? C'est électrique. Moi, ce qui me rend ouf, c'est que pour le coup, je suis en train de découvrir qu'en vrai, nos fonds marins ressemblent à ça pour de vrai. Hein. Et c'est pas une fantaisie. C'est vraiment pas une fantaisie pour le coup. Hein. Qu'on soit bien d'accord, les réseaux internet, les réseaux électriques. Bon, je m'y connais pas, hein, d'accord? Je vais pas faire genre. Mais tout ce qu'on voit là, c'est pas non plus déconnant quoi. C'est pas du tout une fantaisie hein, de voir ça. Peut-être là, les trucs qui clignotent, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais c'est pas une fantaisie. Franchement, c'est pas une fantaisie. Et je trouve ça absolument effrayant. Sachant qu'en plus, on connaît même pas vraiment les fonds marins en soi. Attends, il y a un coffre juste en dessous. Des épaves. Enfin, faut vraiment se dire que nos fonds marins, c'est ça en fait. Hein. C'est absolument dingue. Hein. C'est absolument dingue. Vous me mangez pas le cul, vous. Hein. Je compte sur vous. Merci d'avance. Alors, on va essayer de trouver. Une épave. Ça peut pas être bon pour l'eau. Ah bon? Après, c'est une épave. Nous, on est sous l'eau déjà de base. Alors, par contre, c'est une galère quand t'es dans les trucs là comme ça pour rentrer. C'est bon. Mais si ça reste une galère quand même, hein. Alors, est-ce qu'on a un coffre? Oui, on a un coffre. Qu'est-ce qu'on va trouver? Un élément de décoration? Oula, oui, certainement. Allez. Collection enrichie. Punching ball. Ah ouais! Un punching ball. Incroyable. Tellement de déchets. Bon, c'est un peu quand même couillon de ramasser le plastique et de pas ramasser les GRV et les machins comme ça, mais bon. Bref, oh, il y a encore du plastique ici. Là, je vais être full. Il me faut un coffre là. Il me faut un sac à dos. Oh là! Oh la vache! Où est mon sous-marin? Je sais même pas où est mon sous-marin, je me chie dessus. Pas de naufrage signalé récemment. Il doit être là depuis longtemps. Ils vont m'attaquer là? Ah, il est là mon sous-marin, putain. Quel débile. Bon, les requins ils me font peur, voilà, je. Si... On peut me dire qu'ils m'attaqueront pas, je m'en fous, j'ai peur. Allez, je me casse. Zone de recherche. Zone des sondes. Ok, donc là on va monter cette falaise. Si je peux appeler ça une falaise. Une falaise océanique. Oh là, oh là, oh là, oh là, je me suis enflammé. Oh! On a trouvé le trou. Incroyable. Allez, c'est parti, on rentre. On va faire attention, hein. En douceur. On va pas casser la machine. Machine zanzazion. C'est jamais une bonne idée d'entrer dans une grotte inexplorée. Ah ouais, et encore moins en sous-marin. Non, attends, on va pas y aller en sous-marin. Attends. Tout va bien. Je suis juste en train de détruire le sous-marin, mais tout va bien. Et on replonge. On va y aller en nageant parce que ça nous permettra de récupérer les trucs. Et puis voilà, d'avoir plus de mouvement parce que là, c'est très serré. Hein. Donc là, au moins, je peux récupérer les géodes sans aucun problème. Tiens, c'était quoi l'autre mission? Géodes. On en fait des choses avec ça. Vérifier le module d'habitation. Ok, bon, ça, ce sera à la maison. Ça, ce sera à la maison. Ramener la coupe à la maison. Bon, je sais pas ce qui va nous arriver, mais... Géode. Ça risque d'être assez terrible. Si je suis face à face à un requin... Bon. Géode. Attends, je vais continuer par là, juste récupérer la géode que je vois ici. Hop. Bon, ça va m'être utile. Là.
Il n'y a rien à faire ici. Ah bah il est en bas la sonde. Hop. Voilà, elle est en bas. Ça pue la merde. Ça sent pas bon là. Oula. Ah si, ça va. Non, je m'attendais à pire, mais il y a beaucoup de pression là. Comment t'es arrivé là? Hop. On va récupérer avant toute chose nos précieux. Et on va s'occuper d'ici. 3-6, t'as vu? Tenez intact. Ça part. Voilà. Je crois que c'est tout. En route. Mauvaise troupe. Je peux fabriquer quelque chose avec ça. Ok, j'ai récupéré des circuits électroniques. Kit de réparation. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Ok. Du coup, ben, on va pouvoir s'occuper du module d'habitation, du coup. Tac. Vérifier le module d'habitation. On va suivre la mission. Alors, bien sûr, on a des missions de photos. Stan. Présent. Nouvelle tâche. Les Tholiens ne veulent pas que la tempête affecte leur bilan. Mais la réglementation interdit de faire tourner la raffinerie quand les conditions sont mauvaises. Donc, on va augmenter le rendement. Jusqu'à ce que la tempête arrive. Production maximum. Non, Tim, mauvaise idée. Rien que la pression, ça va... Je sais. Mais les ordres sont les ordres. Je peux rien faire. Va à la raffinerie. Je t'expliquerai la procédure. C'est une blague? Alors là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de dire ça. En train de me voir? Non, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. J'aurais dû préparer mon... Stan, désolé d'avoir été... Je voulais pas... Comment ça va à toi, en ce moment? Ça va. Ça va. Ça va bien même. Ça m'aide de... Ça m'aide de m'occuper. Ça fait combien de temps maintenant? Depuis que... Enfin... Depuis Pearl? 3 ans. 2 mois et 17 jours. Je suis tellement désolé. J'arrive même pas à imaginer ce que ça fait à un parent de... Enfin... Et Emma, elle... Emma, c'est Emma. Elle est solide. Tu sais, je l'ai toujours bien aimée. Tu te rappelles quand vous l'avez rencontrée, toi et papa? Vous étiez pleins comme des cantines. M'en parle pas. Et elle vous a couché tous les deux, si je me souviens bien. Oui, mais on avait 5 tournées d'avance sur elle. La bonne époque. Ça me manque, ce... Enfin... On ferait bien de s'y remettre. Au boulot. Il y a une place de se garer. Tim, je suis à la raffinerie. Super. L'accès pour la maintenance est à l'arrière. Dinguerie. Allez. En piste. Attends-moi là. C'est une dinguerie. On aurait dû se préparer pour la tempête et voilà. Et au lieu de ça, on va se faire baiser la figure. Trouver l'entrée. Attends, j'ai un kit de réparation et des carburants. Donc ça, mon pote... Je vais pas te mentir. Ça m'a l'air plein. Que je vais récupérer le métal également. Accès UT65. Bah, il est là. Elle est là, l'entrée, frère. Elle est juste devant moi. C'est ni plus ni moins. Rien d'intéressant par ici. Donc, l'entrée est condamnée. L'entrée est condamnée. Mais t'inquiète pas, mon pote. Oh putain, ils m'ont fait peur, le drone. T'inquiète pas, on va trouver comment rentrer. On va faire un petit peu le tour. Peut-être par au-dessus. Ah, peut-être par au-dessus, ouais, attendez. On va monter. Moi, je m'y connais pas en raffinerie, hein. Ça se trouve, vous êtes dit, bah non, dans une raffinerie, il n'y a pas d'entrée sur le dessus. Mais je sais pas, moi. J'essaye. Attends, il y a des algues. Ça, je prends. Et j'adore, hein, ce jeu. En vrai. Étonnamment spongieux. Franchement, le jeu, il est incroyable, hein. C'est un plaisir de voir vos commentaires et votre engouement auprès du jeu. Bien sûr, ça ne touche pas toute une audience, toute une communauté, et je le conçois parfaitement. C'est le genre de jeu qui n'attire pas forcément de la même façon qu'un... Ah, une
ressources naturelles. Voilà, enfin peu importe quel jeu quoi. Mais c'est un plaisir de vous lire et de voir quand même. Là il y a une entrée là, attends. J'ai trouvé une entrée là. Bon après il y a plusieurs entrées mais là. Voilà. Magnifique. Eh j'ai l'œil hein. Et une bouteille de plus. Je me suis encore perdu. D'accord. Hein, j'ai l'impression de faire fausse route. UT-61, mais je l'ai, l'UT-61, c'était là-bas, frère. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon, attends, là, il y a une autre entrée. UT-64, donc ce n'est pas ça. Hein, on est bien d'accord? Je pense que c'est pas par là. Ouais, mais alors on se fout de moi, parce que UT-61, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule entrée. Et je l'ai trouvé, moi, l'entrée. Hein. Faudrait juste pas se foutre de moi, en fait. UT-61, elle est là. Si vous regardez bien. Ah non, UT-65. Ah mais je suis un sgeg. D'accord. Ok, d'accord. Excusez-moi, hein, j'avais pas forcément compris. Ça va être un petit peu plus simple maintenant. J'adore la musique. UT-67. Ce n'est pas ça. 66 là-bas. On va quand même essayer au cas où. Non, voilà. C'est pas du tout par là. Est-ce que ce serait plus bas? Non, on n'a pas d'entrée plus bas. Ah si, il y a des entrées plus bas. C'est quoi ça? Non. Rien d'intéressant par ici. Ok. Bon. Les chiffres baissent en allant vers là-bas, donc on va aller là-bas. Allez. UT-62. Oxygène faible, t'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Donc 62. Alors soit 61 est juste en bas. Non. Alors j'y étais là. Putain, j'ai du mal à comprendre. UT-63. What? Ah, ça doit être au-dessus. Quel teubé, c'est juste là, frère. 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 UT-61, let's go. C'était juste de l'autre côté. Je récupère tout ce que je peux. Voilà. Ça aussi. Comme ça, on a un bel inventaire. Et on n'a plus qu'à tourner. Ah, faut que je me mette au sol. On n'a plus qu'à tourner. Ok, c'est qu'une opération de routine. Oui. Qui n'a pas eu lieu depuis au moins 10 ans. Oui, voilà, donc rien d'inquiétant. Et les portes s'ouvrent. Pendant ce temps-là, la tempête se prépare et nous, on n'est pas prêts pour la tempête, c'est formidable, hein, mais bon. Hein, l'économie avant tout. Tim, je suis là. Très bien, on doit augmenter la pression dans les tuyaux pour améliorer le rendement. Mais plus de pression, ça veut dire... plus de pression. Coup de bol, le système de refroidissement s'assurera que tout fonctionne sans problème. Va à la chambre de répartition principale et on pourra commencer. Ok, chef. Ok, chef. Bonsoir. On a une porte ici. Superbe. Chambre de répartition. C'est bien, il n'y a rien qui a l'air nocif ici, c'est parfait. Et ben ça, voilà, safe zone. Ok. Il n'y a plus de bâton d'oxygène, heureusement que j'ai un stock sur moi. Allez. Allez, pousse. Je descends. Bien. Ouais, c'est... Tu devrais monter le long du tuyau principal. Tu peux pas le louper. Tu devrais monter le long du tuyau principal. Tu devrais pas le louper. Ouais, ça me fait une sensation trop bizarre là. Tim, on a un petit problème. Ah, connerie, je vois. L'ascenseur central clignote rouge. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Enfin, à part tirer le levier pour descendre. Foutu machin. Seigneur.
Ça, vois-tu, c'est le cœur de l'opération. T'as une idée de combien de milliers de dollars de brut passent ici chaque seconde? Eh ben, moi, aucune. Mais c'est plus que toi ou moi, on touchera jamais. C'est terrifiant. Tu l'as dit. Bon, trouve les valves de pression et montons-la d'un cran. Elle devrait apparaître sur ton sonar maintenant. Ok, ça c'est terrible. C'est terrible ce qui nous arrive. Alors, on a le premier panneau ici. Dakodak. Oxygène faible. Ah ouais, du coup la pression. Ah ouais, on est dans la merde. Ça fait plaisir. Comme il y a beaucoup de pression, j'imagine. Du coup, on perd beaucoup plus d'oxygène. Je fais comment pour augmenter la pression de la turbine là? Ah, il faut la valve. J'ai. Hop. Première valve. Allez, ça part, ça part, ça part, ça part. Ah, je viens de comprendre. Faut mettre les... Comme ça, je pense. Non ? Je comprends pas, là. Je comprends pas ce que je dois faire, là. Je pense que je dois la mettre au maximum en haut, et c'est la valve numéro 3. Comme ça. Je suis pas tout à fait sûr d'avoir compris. Ah, attends. J'ai dû rater quelque chose. D'accord. Non, reste au sol, reste au sol. Reste au sol. Ou alors il faut que tous les trois soient au milieu. Mais va falloir m'expliquer comment tu fais, hein. Va falloir m'expliquer comment tu mets les trois au milieu. Comme ça peut-être. Pas fini. Putain, mais je comprends pas là, les gars. Je comprends pas. Oh. Comme ça peut-être. Ah, oh, ça va me rendre ouf de pas comprendre. Et je vais crever comme un con. On dirait que c'est pas tout. Bon allez, ça m'a saoulé. Je me barre. Je vais essayer la turbine numéro 1. On va commencer peut-être dans l'ordre, je ne sais pas. J'ai du mal à piger là, j'avoue. Là, on a l'ordi. Allons-y. Hop. Oui, l'oxygène descend. Ouais, là, c'est tout en bas, là. Là, c'est tout en bas, d'accord. Donc, il faut que ce soit tout en haut. Ah ouais, mais tu peux pas mettre les... Tu peux pas tout mettre en haut. Je comprends pas. Il y a un truc qui m'échappe là. Là c'est le max que je peux proposer à la limite. C'est pas fini. Putain. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Bah ouais. Bah je veux bien, frère. Oh, je comprends pas, ça va me saouler. Oh, ça va me saouler. Voilà. Là c'est le moment où le jeu va commencer à me saouler. C'est pas trop tôt. La raffinerie. Il y a autre chose à faire, on dirait. Ouais, je veux bien. Je veux bien qu'il y ait autre chose à faire. Mais faut juste me dire, en fait. Voilà, parce que le problème, c'est que...
je veux bien mettre tout en haut, je ne peux pas. C'est fait. Ah putain. Les deux à gauche au milieu et celle au milieu tout en haut. Ça y est, j'ai compris. Ah bah, faut être né de Saint-Cyr ou... J'ai compris. Bon, donc. Comme ça. Comme ça, je crois. Oh, dommage. Ça devrait être bon, en vrai. Ah. Non. Il reste une étape. Ah. Eh ben, je pensais que j'avais compris. Oh. Ah, mais c'est bon. Attendez, j'ai tout mis au max, là. J'ai tout mis au max, en vrai. Non, et là, tu me... Non, là, tu me saoules. Là, tu me saoules, là. Je vais aller là, moi. Ah... J'ai dû rater une étape. Mais non, mais là on se fout de moi en fait. On se fout de moi. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Hein. On dirait que c'est pas tout. Bon, donc celui du milieu doit être tout en haut. Et celui à gauche et à droite doit être au milieu. Comme ça. Alors là, mon pote. La pression augmente. C'est bon. Ok. La suivante. C'est bon, j'ai capté. Bon, vous avez peut-être compris dès le début. Moi, j'avais pas compris. Donc, faut suivre le panneau là. Milieu, bas, haut. Milieu, bas, haut. Ok. Allez, hein, surtout prends ton temps. On va juste crever là, mais. Valve numéro 2. Milieu, bas, haut. Comme ça, en fait. Là, normalement, ça devrait être bon à peu près. Ok. Ok. Eh ben, une fois que tu comprends, c'est un tout petit peu plus simple. Allez, go. Bas, haut, haut. Ok. Bas, haut, haut. Bon Dieu. On y va. Bas, 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 haut, haut. Bas, haut, bas. Et non pas bas, haut, bas. Bas, haut, haut, eh ben, ça va être compliqué là. Oh. Là normalement c'est bon. Là normalement on devrait être pas trop mal les amis. N'oubliez pas le pouce bleu. Voilà, j'ai 200 de QI, mais au bout d'une heure. La pression monte. Ça, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Tim, ça... Ça tourne au vinaigre ici. Ok de mon côté. Je suis pas ingénieur, mais il n'y avait pas de vapeur avant que je touche aux valves. Et là, il y en a beaucoup. On se croirait dans un sauna. On va booster le refroidissement. T'inquiète pas, gamin, tout est sous contrôle. Système de refroidissement et il y a une fuite. Comment ça, mon ref? Comment ça, mon ref? Régler le système de refroidissement. Bon, là, la fuite. On va colmater. Est-ce que c'est... du scotch? Mais non. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette opération? Ah ouais. Ah, ça, je prends. Parfait. Ça, je prends aussi. Putain, mais c'est un truc de ouf. On en a jamais assez. C'est un truc de ouf. Ils ont colmaté ça avec du scotch, quoi. On parle d'une raffinerie sous l'océan, bon bref. Y a autre chose à faire, on dirait. Y a autre chose à faire. Ah, commence pas à nouveau à me refaire une énigme. C'est pas fini. Vas-y, on va défoncer cette porte. Ça doit venir de derrière. Ok. Et en effet, ça vient de derrière. Alors attends. Ça s'est allumé, ça s'est éteint. Ok. Et hop. Fais péter. Fais péter. Ok. Ah. Des lumières. Des lumières qui font plaisir. Finalement. Et j'ai envie de vous dire. Dommage qu'on puisse pas courir. Hein. Bon, du coup, maintenant.
Ok. Refroidissement au niveau maximum. Superbe. Cœur rapide. Oh putain. Ah oui. Tim. C'est... Merde. C'est tout bon. On est toujours bon, je dois juste... Non, on est très loin d'être bon, Tim. Très très loin. Tout est sur le point d'exploser ici. Laisse-moi une seconde. Tu sais quoi? Ça suffit. C'est bon. J'annule tout, Tim. Qu'il me vire, qu'il me poursuive, ou je sais pas quoi, mais... Je vais pas mourir sous l'eau, englouti par l'argent d'un autre. Ok, très bien qu'ils aillent se faire voir. La salle de maintenance, au sous-sol, c'est le seul moyen d'inverser la hausse de pression. Ça va couper tout le flux. Ok. J'y vais tout de suite. Merci, okay. Tim. Tim, c'est un bon, en vrai. En vrai, Tim, c'est un bon. Franchement... Non, faudrait juste se dépêcher, quoi. Levier de purge. Hop. Ça se passe ici. Ok. Allez, fonce, Alphonse. Je me chie dessus. Allez, on pète. Allez. Encore un dernier coup. Un petit effort. C'est par là. Ah, de l'air pur. Allez. Levier. C'est ici. La vache! Non, 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 non! C'est le retour de la Méduse. La Méduse qui est donc notre fille, dans notre imagination en tout cas. Et c'est notre fille qui va nous sauver en fait, de manière métaphorique. Voilà, hein, ce jeu est magnifique. Qui est là? C'est... Mon Dieu. Pearl. Ah. Qu'est-ce que... Où suis-je? Quel plaisir. Quel plaisir, les amis. Là, c'est comme si on faisait un rêve. Sauf c'est que là, on est sûrement dans le coma ou je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je veux bien savoir également. J'aimerais surtout savoir si on est en vie encore. Parce que là, on est en train de crever sous Il faut l'océan. Que je trouve un moyen de sortir. Et de retourner au module d'habitation. Tim. Tim doit savoir qu'il y a eu... Une fuite. Bah ouais, éventuellement ouais. C'est plus qu'une fuite hein, du coup hein, pour le coup hein. Et je crois que Tim est au courant hein. Ah bah voilà, on a trouvé la porte de sortie. Facile. Je sais pas qu'est-ce qui va nous arriver mais... Préparez-vous. Préparez-vous. Ah ouais. C'est quoi cet endroit? Ça doit être ta maison, hein, je pense. Wouah, le truc de ouf. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, on va admirer cette photo de famille. Très bien. Oh là là, Pearl. C'est sa chambre. Mon Dieu. Tout à fait, avec ses petits dessins. Son joujou, sa peluche.
Qu'est-ce que tu fais là? Pearl, tu me manques. Tu me manques tellement. C'est incroyable les amis, il faut que je vous dise un truc. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo je vais vous révéler un truc de dingue qui vient de se passer pendant cette magnifique cinématique. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Du coup on a récupéré donc la peluche. Elle vous dit quelque chose évidemment. Et journal de bord, on pourra lire ça ultérieurement sans aucun problème, puisque du coup il y a des jours qui n'ont pas été joués, hein. Du coup on pourra lire, ça va être bien sympa. Mission en attente, mission principale, vérifier le module d'habitation. Très bien, on va pouvoir se reconcentrer là-dessus. Et on va pouvoir ressortir, je ne sais par quelle magie nous avons pu nous en sortir. Mais c'est absolument incroyable. Et vraiment, j'ai une anecdote à vous raconter à la fin de cet épisode. Je vous laisse d'abord sécher vos larmes et je vous expliquerai justement pourquoi je n'en ai pas eu. Je vais réessayer. Stan ? Stan, réponds ! Stan ? Je suis là. Je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a du pétrole. Oh, Dieu merci. J'ai cru qu'on t'avait perdu. Il y a eu un accident. Écoute, c'est ni le lieu ni le moment. Sors de là. Laisse les drones s'en charger. Va. Va au module d'habitation. Je te rappelle très vite. Ah là, c'est craignos, hein. De justesse, aller au module d'habitation. Donc, encore changement de plan. Incroyable, on est dans le... On est dans le calvaire. On est dans le calvaire, les amis. Il y a une grosse fuite de pétrole derrière. C'est génial. Il faut qu'on se dépêche. À mon avis, c'est une question de secondes. Regardez derrière tout ce qu'on laisse. Alors, c'est pas de notre faute, hein, par contre, hein, pour le coup, ça c'est clair. C'est fou. Complètement fou. Hop. Égoïste. Et maintenant tu vois des choses. Reprends-toi en main. T'es en train de la perdre. Comme tu... Comme on a perdu Pearl. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé au juste là-bas? Tout ce dont je me rappelle, c'est... Du pétrole. Du pétrole. Partout. Je dois parler à Tim. C'est complètement dingue. Déjà, on sait qu'il est maboule. Il prend sa douche habillé. Pardon. Allez, c'est parti. Tim ? Ouais, gamin, je suis là. Comment ça va ? Tu tiens le coup ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les tuyaux ?
T'en fais pas pour ça. On va envoyer des drones au plus vite. Ils s'occuperont de la fuite. Mais il y avait du pétrole partout. J'ai cru voir des baleines et... Stan, je t'en prie. C'est pas terrible, je sais. Mais Unitrench fait tout son possible. Personne ne s'attendait à ça. Écoute, pour des raisons de sécurité, il faut pas que tu bouges. Ne quitte pas le module d'habitation. Combien de temps? Je ne sais pas. Jusqu'à ce que je t'appelle. Compris? Ouais. Ouais, j'ai compris. Fais attention à toi. Je plaisante pas. Ouah, ça craint. Il faut que... je boive un truc. Avec ou sans alcool. Ouah, ça craint de ouf. Ça craint de ouf. Surtout qu'on n'a pas pu vérifier le module d'habitation. La vérification de est recommandée. J'aimerais bien le faire, mais il veut pas que je sorte. Bon, on va suivre la mission principale. Mais il faut pas que je sorte. Mais il faudrait quand même vérifier le renfort, quoi. C'est terrible. Bon, alors pour l'anecdote, maintenant que vous vous êtes remis des émotions, peut-être. Peut-être que vous n'en avez pas eu, je ne sais pas. Mais en tout cas, au moment de la cinématique où il était dans la chambre de Pearl, eh bien, vous n'avez peut-être rien vu. Vous n'y avez vu que du feu. Mais le jeu avait planté. Du coup, j'étais en pleine séquence émotion. Hein, probablement comme vous, du coup, vous l'avez été, peut-être. Et le jeu a planté en plein dedans, quoi, hein, fatal error. Donc du coup, évidemment, au montage, je me suis assuré que ça ne se voie pas du tout. Et du coup, c'est absolument excellent. Mais j'ai adoré cette scène, en tout cas, c'était vraiment formidable. Une bière sans alcool, on dit pas non. Même si forcément, c'est... Bah, si la bière est bonne, sans alcool, c'est que c'est une bonne bière. Voilà, il faut le savoir. Ça fait beaucoup. J'aurais pu... mourir. Ça fait beaucoup. Ah. Voyons s'il y a des bonnes nouvelles. Je n'en ai pas vu de pareil depuis que j'étais gamine. Et elle a l'air partie pour durer. Nos prévisions annoncent une autre semaine de vent d'ouragan et de pluie torrentielle. C'est donc le moment idéal pour ressortir de bonnes vieilles bottes. Ouais. Soit une énorme marée noire tout près des côtes n'intéresse plus les infos, soit quelqu'un a étouffé l'affaire. Bon, on en saura bien plus. On va voir combien de temps ça dure. Avec l'appel de Tim. Qui me fait un petit peu peur. Stan, réponds. Ouais, je suis là. Ça va bien? Non, pas spécialement. Ouais. Sacré bordel là-bas. Écoute, ça sort du protocole, mais on t'envoie quelques autres plans de fabrication. Des drones te rejoignent au plus vite. Des plans? De quoi? Tu verras. Va dehors et retrouve le transporteur. Ah, maintenant j'ai le droit de sortir! Non, mais on se fout de moi ou quoi? Récupérer les plans du laser. Mais on se fout de moi ou quoi? Attendez! Moi, je vais vérifier. Je change de mission. Je peux ou pas? Voilà, vérifier, renfort structurel. Voilà, désolé. Je vais faire ça, parce que ça c'est prioritaire mon pote. Hein? Moi je vais être tranquille. En route pour le Grand Bleu. Moi je vais être tranquille pendant le... Cette nouvelle. Ces foutus drones ont perdu les plans. Quoi? Toute la ruche se comporte bizarrement depuis peu. Les vannes mécaniques, électriques et maintenant ça. Je m'en fous de ta vie là. Il va falloir que tu récupères les plans toi-même. Je t'ai mis un marqueur. Ouais, hop. Ça devrait tenir. Ah. Pour le coup, qu'est-ce que je fais ici? Je devrais être avec Emma. Je l'ai laissé là-haut. Seul, face à... Quel idiot. Ah, on comprend bien l'histoire, c'est quand même assez fou. Ça m'a l'air solide. J'aurais dû prendre une autre route. Je pourrais aller à la surface. Voir un peu où on en est. Allez, du coup, hop, on va récupérer. Pourquoi est-ce que je m'en sors pas? Les plans du laser, tu parles beaucoup là. Pourquoi? Elle est plus là, Stan. Elle est partie. Elle était en train de perdre Emma. Et... putain. Ça va bien se passer.
ça va bien se passer. Oula. J'ai du truc, je ne sais pas. Zone de livraison. Nous y sommes. Ok, les plans devraient être là. Ah mince, drone cassé. Allez hop. Ah, c'est pas cool ça. Bon. Pauvre drone. Il avait rien demandé. Mais d'où ça vient tout ça? D'où ça vient? Ça vient d'en haut. Voilà. Là, ici. Des plans de fabrique. C'est bon, j'ai les plans. Rentre et utilise-les à l'établi. Module laser pour les unités de transport sous-marin Unitrench. Attention, prototype. Usage limité. Ok. Tim. Oh, c'est pas un jour. C'est parfaitement sûr et utile surtout. Ok. Ils ne peuvent pas rendre ça moins moche. Ok. Fabriquer le laser. Bon. Voyons voir en gros ce qu'il nous raconte. Un petit peu là, qu'on se prenne un peu le temps. Objet perdu. Bon, ça c'est les objets qu'on a retrouvés, hein. Ça c'est pas un problème. Journal de bord, donc jour 6, retour au turbin, durcir les renforts des lignes de distribution, changer les filtres à air de Moon, etc. Je me sens mieux aujourd'hui. S'occuper, c'est ça la clé. Donc là, le jour 6, il était encore de nouveau dans le déni. Et puis là, vous voyez qu'aujourd'hui, on est au jour 12, je crois. Jour 13 même. Et là... voilà, retour de la réalité, il repense à tout ça. Très bien. Allez, on rentre à la maison et on va fabriquer le laser. Je ne sais encore ce que c'est. On ne sait pas spoil. Bonjour requin pèlerin. Tu crois que je peux me rapprocher de lui avec mon sous-marin? Oh, mais en fait, il te fuit. Ok, excellent. Allez, direction le SAS. Je suis assez curieux là d'ailleurs de savoir ce que c'est qu'on avait vu. Ça là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah, je pense qu'il me faut un outil que je n'ai pas encore. Il me faut un outil que je n'ai pas encore à mon avis. Je pense même que c'est peut-être ce qu'on va fabriquer d'ailleurs. Parce que c'est une customisation du... voilà, du sous-marin qui va nous permettre de... Ok, d'accord. Bah, on va voir. On verra ça de toute façon en temps et en heure. Oh là. Merde. Attends, mais il y a des fuites de partout, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a tout qui est en train de pourrir. On est d'accord? Il y a tout qui est en train de pourrir. Génial. C'est formidable. Ça a dû être un crève-cœur, quand même, pour Surfrider, enfin, l'association. Bon, enfin, pas plus que ce qu'ils font dans la vraie vie jusqu'ici, je pense. Parce qu'ils doivent voir des choses. Ok, allez. On rentre. Ah, on est bien chez soi. Ouais, fabriquer le laser. Donc ça se passe ici à l'établi. Eh, y a plus le... Y avait un truc ici, là. The fuck? Je crois que j'ai de quoi bricoler quelque chose. Donc, bon, tout ça c'est bon, on va pas en refaire. Kit de réparation, très bien. Voilà, amélioration de laser. Et ben voilà. Et ben voilà, c'est donc l'amélioration pour Moon. Permet de nettoyer les traces de pétrole et autres pollutions. Donc en fait, c'était des traces de pétrole qu'on avait vues. Ok. Ça, c'est du sérieux. Par contre, objet déjà fabriqué. Matière particulière sous-marine. Ok. Donc c'est infini le truc. Inférieure à celle du pétrole brut. Ça pourrait être utile. Décoration. Oh, let's go. Et hop. Trop bien. Ok, mais c'est vraiment chouette en fait. Du coup, c'est un truc unique qu'on peut utiliser plusieurs fois. Et on va pouvoir du coup nettoyer les fonds marins. Et on a une nouvelle déco d'ailleurs maintenant en prime. Ça, c'est plutôt, plutôt formidable. On a le punching ball. Mais non, sérieusement là. Hop. À fond les ballons. Allez. Ah, j'ai plus de force. Ya, 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 ya. Incroyable. Je comprends pas encore bien.
Ah, faut juste attendre d'être dans les... Ok. Oh, c'est incroyable. Les gars, je me régale. Oh, j'ai un peu foiré là. Boum, boum. Eh, je peux faire ça toute la journée, les gars. Je peux faire ça, mais alors... Toute la journée, vraiment. Non, c'est... Eh, on va arrêter, je pense, hein. Arrêtez-moi. Arrêtez-moi ou je m'arrête pas. Non, vas-y, j'arrête. C'est génial. Non, je t'ai dit... on arrête. Il voulait pas arrêter le bug. Ok. Bon, donc tout ça, on a déjà vu. Là, j'ai du temps libre. Les affiches, etc. On a déjà vu, on connaît. On va dire bonjour à... Oh, ça fait peur. On va dire bonjour au robot. French, leçon 1. Les syndicats ne sont bons ni pour vous, ni pour vos amis. Bah, oui, oui. Excellent. Allez. Sans commentaire, comme on dit. Bah, écoutez, on va se coucher. Tout simplement, on va se coucher. Allez. Je ferai mieux d'aller au lit. C'est un accident de la route, évidemment. Hein. On a bien compris maintenant. On a déjà eu cette scène, mais en moins terrible. Pearl, Pearl. J'arrive, Bichette. Ça, pas comme ça. Non. Je voulais pas. Pearl. Jour 15, alerte rouge. C'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Merde. Ouah, ça craint de ouf. Ça craint de ouf, les amis. Mais c'est là-dessus qu'on va se quitter. Exprès, je suis un salaud. Et oui, bon, on a quand même une bonne heure de vidéo. Donc les gars, j'espère que vous êtes régalés. On est sur une alerte rouge, donc dites-moi en commentaire, faites-le moi savoir avec la barre de like, en partageant la vidéo à vos amis. Faites-moi savoir si vous voulez la suite de cette aventure. L'alerte rouge, ça va partir en cacahuète. Dites-moi si vous voulez la suite, faites-le moi savoir. Et on se retrouve, je l'espère, très bientôt pour la suite de cette aventure. C'était Mkolo, n'oubliez pas le pouce bleu bien sûr. Ciao tout le monde.